Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 62, Crosshatching. Oui, et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va dessiner. Et on va essayer d'apprendre une nouvelle technique, le crosshatching. Allez, c'est parti! Je commence donc mon petit dessin par d'abord placer quelques éléments, quelques lignes, histoire d'avoir des références. J'utilise ici des outils vraiment standards, une feuille de papier A4, un porte-mine tout ce qu'il y a de plus banal et des règles pour cette partie. Mon but ici est de faire un espèce de poster Zarbi avec écrit en gros « Make something » et plein d'outils et de trucs que j'utilise tout le temps dans le fond. Maintenant que mes caractères sont tracés, je délimite une bordure et je vais pouvoir commencer à dessiner tous les éléments du fond. Un marteau, un tournevis, un feutre, un rouleau de scotch, je dessine plus ou moins tout ce qui me passe par la tête ou tout ce que je vois plus ou moins dans mon environnement proche. J'aime beaucoup les dessins un peu bordéliques, où il y a plein de choses à voir, dans le fond, caché derrière. Et donc je dispose et dessine plein de choses, histoire de remplir au mieux ma feuille. Maintenant que j'ai disposé mes éléments principaux, j'essaye de voir les zones plus ou moins vides, et tente de combler les trous. J'essaye aussi au passage de m'entraîner sur la perspective, et surtout la représentation des ronds et des ellipses, qui est sans doute un des trucs les plus difficiles à exécuter. Je vous laisse profiter du timelapse en silence, alors que je finis la partie dessin de ce projet. Maintenant que mon dessin est fini, on va passer à la deuxième partie du projet, l'ancrage, où je vais repasser sur mes traits de crayon avec différents feutres. Il existe plein de feutres, mais moi j'en utilise de deux sortes principalement. D'abord une boîte de feutres graphique de chez Dervent, qui va du 0,05 mm au 0,8 mm. J'utilise aussi des feutres permanents Stabilo et Staedtler, F et M, pour un ancrage plus consistant. Il existe des dizaines de marques et des centaines de modèles de feutres, essayez-les et trouvez ceux qui vous conviennent le mieux. Traditionnellement, l'ancrage se fait normalement à l'angle de Chine et au pinceau. Mais comme je suis un gros bourrin de l'espace intergalactique, j'ai plus d'encre sur mes mains que sur le papier. Donc pour moi, les feutres sont une solution idéale. Je commence donc à ancrer avec un feutre 0,5 mm les contours principaux et j'essaye de faire ça méthodiquement, en commençant par un côté et en travaillant doucement mais sûrement vers le reste de la feuille. Cette partie d'ancrage est importante puisqu'elle vous sert principalement à apprendre à avoir un trait sûr et décidé,
à tracer des courbes correctes, etc. Je finis d'ancrer tous les éléments de mon dessin et on va pouvoir passer à la phase suivante, les détails. Je prends un gros feutre pour repasser mon lettrage. Pas sûr que ce soit une bonne décision, mais à ce moment, j'avais envie de le faire. Et je me lance dans le cross-hatching. Le principe est assez simple. Je prends un feutre moyen et je vais hacher dans la même direction tout le fond de mon dessin. Et quand ce sera fini, je referai la même chose dans l'autre sens. Une façon de faire un espèce de gris uniquement avec des feutres noirs. Le but ici est, outre de pratiquer une technique de dessin, d'appuyer par cette technique le côté bordélique du dessin. Bon, c'est pas exactement le résultat que je voulais, mais c'est un bon exercice. Je vais maintenant continuer à raffiner certains éléments du dessin. Les traits principaux sont difficilement visibles, donc je décide de tout repasser avec un feutre un peu plus gros. Et voilà, pas loin de 2 heures de dessin, un projet vraiment fun et qui m'a permis de travailler sur une nouvelle technique et de continuer à m'essayer au dessin, du super bon fun. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ben, ça donne ça. Je me suis fait un petit poster et vous voyez en fait que tout le truc du fond, en fait, c'est des petits... C'est du cross-hatching. Alors, à quoi ça sert ? Strictement à rien. Ça sert absolument à rien, à part, bien sûr, à s'entraîner un petit peu, à dessiner. Et pour tous vos projets, c'est toujours utile de savoir dessiner un petit peu. Soyons clairs, je suis pas un dessinateur professionnel, loin de là. Je suis même plutôt une quiche de l'espace dans le dessin. Allez, disons que je me débrouille. Et justement, c'est le but. Quand j'ai quelque chose à expliquer à quelqu'un, si j'y arrive pas par la parole, si j'y arrive pas par mail, pif paf pouf, un petit dessin dans un de mes cahiers magiques. Voilà. Des petits gribouillis, mais qui sont suffisamment compréhensibles pour que les gens avec qui je travaille puissent comprendre ce que je veux dire exactement. Et c'est le but de cet épisode. Le but de cet épisode, c'est de vous dire, dessiner... Apprenez à dessiner correctement. Il y a énormément de chaînes sur YouTube de professionnels, de dessin, de designers industriels, de trucs comme ça, qui partagent des tips. C'est génial. J'en regarde plein. Je suis toujours autant une quiche, mais je suis un petit peu moins une quiche. Est-ce que mon cross-hatching est bien ? Non. Mais en même temps, j'ai passé 2 heures à faire ce dessin. Je me suis bien marré. Et voilà, c'est le principal. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, vous n'hésitez pas. Email, Twitter,
Instagram, Facebook, les commentaires bien sûr, et si c'est pas encore fait, tu t'abonnes s'il te plaît, hein ? Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs, qui, comme beaucoup, m'envoient un petit peu de pognon pour que je puisse financer les épisodes de La Grotte du Barbu. Et en échange, ils ont quoi ? Les épisodes 4 jours avant tout le monde, le dimanche ou le lundi matin, au lieu du jeudi. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial dessin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura envie de prendre vos crayons et de faire des dessins à droite à gauche. C'est tout pour cet épisode. Ben, à la prochaine. Inspirez-vous, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous.